Voilà. Alors. Du coup, mais c'était... Attendez, il y a un problème. Moi je te vois. Ah, pardon, ah, vous étiez là, je vous ai pas vu. Je me disais, ah, je suis tranquille. Ah, d'accord, très bien. Désolée. Moi, du coup, je vais vous expliquer. J'ai fait le casino. Du coup, j'ai été m'acheter un mini Draco. Du coup, je l'ai maintenant. Et quelques CT, j'ai acheté quelques CT et voilà. Je l'ai pas fait pendant le stream vu que c'est très très long. Alors j'ai préféré le faire ben, hier soir et un peu aujourd'hui. Bah oui, en stream, sinon ça serait ennuyeux. Parce qu'encore la chasse aux Pokémon, c'est drôle, mais là c'était juste. Bah oui! Je suis pas si sûre d'Arky parce que je galère vraiment. Dans mes souvenirs, c'était assez galère. Et surtout que je voulais un mini Draco mâle. Et j'avais trop peur de tomber sur une femelle si je veux pêcher. Là, au moins, je suis sûre que c'était un mâle. Du coup, oui, les CT. J'ai acheté quelques CT aussi. Avec ce qui me restait. Du coup. Ah oui, mince. Bah après Darky, c'est rien, au moins ça m'a occupé, tiens, pendant que vous étiez pas là. Attendez, du coup, vous me perdez. Ah, voilà la boîte à CT. Du coup, j'ai acheté. Oui, j'ai acheté laser glace, balle ombre et. Et quoi d'autre? Ah, oh, bah ouais, j'avais acheté ça, c'est bon. Du coup. Laser glace, je vais le donner à. Est-ce que la glace est efficace contre la plante, mais. J'ai peur qu'Aquamimi elle se fasse. Il se fasse démonter. Bon allez, je vais prendre le risque. Oui, je vais lui donner. Tu l'as joué en accéléré ou pas du coup? Ou t'as joué normalement? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, balle ombre. Ah oui, vol, vol.
Ah, mais. Oui, mince. Oui, balle ombre. Qui peut la prendre? À qui je vais le donner? Ouais, à quoi Mimi? Oui. De toute façon, faut que je garde pour surf. Donc, ouais, coup de main, voilà. Vas-y. Voilà. Et ensuite. Ah, lance-flamme, ouais. Priscilla peut apprendre lance-flamme. Je vais le donner à Draco. Ça lui va bien. Oui. Waouh, il y a déjà des bonnes attaques en plus, j'avais pas regardé. Là, c'est bon. Oui, c'est ça, Draco. Qu'est-ce qu'il y a, Draco? Et du coup, c'est bon. Voilà. On va faire la reine de type plante, du coup, avec Erika. On va voir si Draco peut s'en sortir. Oui, c'est ici, c'est bon. Darky, tu peux me laisser tranquille. Il va toujours critiquer. On dirait Nekos. Il est très calme, Nekos, d'ailleurs. Il est là? Je l'ai pas. J'ai pas fait gaffe s'il était là. Parce que attendez, je peux pas faire la reine s'il est pas là. Ah, c'est bon, il est là, il est là. Non, c'est bon, je l'ai vu. Bon, bah, c'est parti, la reine de type plante. Alors, il faut que je te dise un truc sur cette arène. Seules les belles filles sont autorisées à rentrer. Ah, ouais, d'accord. C'est réservé aux filles. Bah, du coup, Blue, il a pas pu y entrer. J'imagine. Bah, je vais pas utiliser Aquamimi, mais Draco là pour le coup. Ah, mais bon, niveau défense, je sais pas si ça va aller. Non, j'ai rien dit. C'est bon. Il s'en sort très bien. Ah, il y a beaucoup d'adversaires. Je suis belle, d'accord. Je me rappelais plus de ce sprite là. Canon. Attends, que je dise pas de bêtises, oui. Oui, je crois, oui, c'est. Il a une casquette noire et jaune, c'est ça? Et une petite mèche sur le front. Si, je crois que c'est ça. Bizarre, je pensais que tu préférais Red, toi. Vu qu'il est très sombre, Red. Ah, pardon, j'ai confondu. Ah oui, le rival. Tu parles du rival. Oui, il est dans. Il est dans Pokémon Or Argent et Soul Silver, ouais. Le fils de Giovanni, je crois. Ah oui, il est insupportable, lui.
Ah, ça m'étonne pas que tu l'aimes bien. Non, je pensais que t'aimais Gold, j'ai confondu le petit héros là. Dans Or Argent. Oh là, ils savent spoil de rien, c'est bon, Nekos il connaît. Bah oui, tu connais, non? Je pense pas, non, ouais, parce que c'est vraiment le cliché du Sasuke. Il rappelle un peu Kiyotaka d'ailleurs. Il est insupportable. Il a un passé difficile, Neko, c'est pour ça. C'est le fils d'un. Bah, de Giovanni, du coup. Il y a la pression sur les épaules, tu vois. Non, justement, il veut pas ressembler à son père. Il a envie d'être quelqu'un de bien. Je lis pas forcément les dialogues parce que bon, c'est pas très pertinent cette arène quand même. Il est très sombre, Silver. Je sens que tu l'aimes beaucoup. Ah, du coup, tu dois beaucoup aimer Darky. Comment il s'appelle? Celui dans Soleil Lune, même que c'est le frère de Lily. Ah, comment? C'est quoi son nom déjà? Il fait des pauses à la Jojo. Ah, je sais plus son nom. Gladio, je crois. Oui, Gladio. Ah ben, Darky, quand je jouerai à Soleil Lune, il y en a un, tu vas adorer. Non, mais je lis pas Nekos parce que c'est pas très pertinent ce qu'elles disent. Tout ce qu'elle dit, c'est « Oh, je suis jolie, blablabla, on sait. » Et puis surtout que je vais pas enchaîner tous les Pokémon comme ça. Hein. Je vais alterner, sinon on va faire une overdose. Ah mince. Est-ce que j'ai de l'antidote? Je vais pas me dépêcher non plus, j'essaye pas de trop me dépêcher pour jouer quand même. Faut profiter. Je fais pas comme toi, tu vois, à tout accélérer. Oh, j'ai guéri. Ah oui, c'est vrai, j'ai la capacité émue, ça c'est bien. Par exemple, si je suis paralysée, brûlée, etc., je peux guérir du coup. Oui, j'ai compris, Darky, c'est parce que t'es tellement intelligent, c'est trop lent pour toi. Enfin. Il me restait une potion. Non mais je plaisantais Darky. Quand même. Ah mince, ah oui. Bienvenue dans l'arène de Céladopol. Les filles sont plus fortes que les garçons. Oh que oui. Attention, Darky va s'énerver là. Ça va partir en débat.
Ah, j'ai presque plus de... de poupées. Oh non! Ah mince, super potion. J'ai un petit dresseur, ils utilisent potion, je me rappelais plus. Je pensais que c'était que les champions qu'ils utilisaient ça. Oh mais ça arrive souvent ce genre de choses en plus. Surtout s'il y a la capacité fermeté, alors là c'est... Très moche Boostifleur. Il est hideux, regarde, il est jaune, vert, des yeux globuleux, des grosses lèvres roses. C'est très très moche. Non, non, non. T'as des goûts bizarres, des gosses quand même. Mais il est mignon, il y a des petits yeux tout mignons. Une belle couleur. Il est mignon. Ça, tu vas me dire que c'est beau, Ortide? Ça bave, c'est rose, c'est... J'imagine même pas l'odeur du truc. Plein de pustules blanches au-dessus. Oh. Après, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Après l'arène de type plante. Ah oui, il faut que j'aille à l'avant-ville, oui, c'est vrai. Comme j'ai les lunettes, ça va me permettre de voir les spectres du coup. Ah bah voilà. Par contre, j'ai un gros gros doute. Est-ce que Draco va s'en sortir face à la championne, je pense pas. Et j'ai pas d'huile? Ah si. Si si. Non, je pense pas. Je pense pas que Draco va tenir quand même. Alors, bienvenue. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. J'aime beaucoup Erika, mais je me rappelais pas qu'elle parlait comme ça. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, le champion de l'arène de Céladopol. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont du type plante. Non, mais ce genre de dialogue, je pense que ça passe plus en 2022. Je pense pas du tout. Hein? Tu veux te battre? C'est sûr? Très bien. Mais tu sais quoi? Tu vas perdre. J'aime bien le sprite d'Erika, je la trouve jolie. Très très jolie comme dresseuse. Ouh! Ah oui, d'accord, ça commence comme ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai un peu peur là. Moi, je me disais bien. On va envoyer. Non, mais Mimi, elle va. Mimi aussi va se faire défoncer. On va essayer. On va essayer. Vas-y, Mimi, essaye. Résiste. Ah, ça va. Non. Ouh, ça va. Ah oui, bravo, Mimi, c'est bien. On va pas prendre de risque, je vais toujours utiliser Mimi. C'est bon. Normalement, je vais tous les one-shot.
j'aime bien son sprite. Je m'attendais à pire avec Rafflesia. La fleur préférée de Nekos d'ailleurs. Ouh la mince, ça a résisté. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai quand même tenté le coup. Aïe 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 aïe. Non. Mauvaise idée. Ouais. Essayer paralysé. Ah, peut-être. Ah, c'est bien. Ouf. C'est bon. Ah, mais Mimi a une bonne défense. Hein. Oh, j'ai perdu. Je dois avouer que tu sais te battre avec tes Pokémon. Bien joué, je te confie le badge prisme. C'est mérité. Bah, c'est difficile. Personnellement, j'ai souvenir... Ah. Surtout Pokémon Perle avec Cynthia. Ça m'a traumatisé. Elle m'a traumatisé, elle. Et quel dresseur dans... Je sais plus c'est dans quel Pokémon où il y a Blanche avec son écremeux. C'est Pokémon hors argent, je pense. Alors, ça aussi, ça m'a traumatisé. Oui, oui, il y a certains passages. Et puis, bon, on va dire que j'ai triché, entre guillemets. J'ai un mini Draco, j'ai acheté des CT, donc voilà, je me préserve de l'échec. Alors, du coup, alors le badge prisme fera obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser force hors des combats. Prends également ceci. Ah, j'ai une CT. J'ai Giga Sensu. Je vais le donner à Fleur. Tu recherches les Pokémon. Ta quête est noble. Pour ma part, je collectionne les Pokémon les plus beaux. Ouais, plus. Ouais. Ces Pokémon sont pas très beaux après. Je vais pas juger, mais. Il y a mieux quand même. Non, du tout. En plus, Fleur est moche. C'est ça qui me. Et j'ai pas triché, j'ai dit on dirait que... C'est bon, arrêtez, j'ai pas triché. Ah non, attendez, Giga Sensu, oui. Le type acier, c'est efficace contre quoi déjà? Poison, non? Non. Poison, c'est psy. Acier, c'est quoi déjà? Je vais quand même le mettre parce qu'il y a une queue. Bah oui, je peux ajouter, je crois, avec je sais plus quel médicament que tu peux acheter à Céladopole. Non mais je connais pas par cœur aussi, c'est pour ça. Je sais plus l'acier c'est efficace contre quoi. Belaf, tu le sais. Tu peux me dire Belaf s'il te plaît. L'acier c'est quoi? Belaf, bon allez. S'il te plaît. Oui mais j'ai déjà le psy donc... C'est tout, c'est juste contre... Contre le poison, non, je crois qu'il y a autre chose. Je sais que c'est efficace contre le fée, mais ce type, il n'existe pas encore. Par contre, on va mettre quelqu'un dehors. Parce que j'ai besoin de vol. Bon, qui sert à rien. Ensuite...
Et je retire. Du coup, je vais apprendre CS. Je vais apprendre vol à Nosferatu. On y va. C'est parti pour l'avant-ville, du coup. Et si, Hypno, il va me servir, là, vu que je vais partir contre des Pokémon de type Spectre. C'est très, très efficace, le Psy. Ah, mince, je me perds. Allez, moi... Oh, ma boîte. Pas pratique. Ah, elle est là. Ok. Je voulais en diagonale en plus. À part Ginji parce qu'il est sympa, mais le reste je l'ai en diagonale. Comment ça il peut pas prendre vol, Nosferatu? Mais il sert à rien, il y a des ailes, il peut pas voler. C'est quoi ça? Bon bah. Au revoir. Bah oui, je voulais voler une chauve-souris. Elle a des ailes, elle peut voler. Ok, bon, on va prendre... Je vais prendre Roucoups. Roucoul, pardon. Ouais, Roucoul, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait marcher. Oui, c'est bon, Roucoul, c'est bon. Allez, apprends vol. Voilà. Bah oui, ça marche. On y va. Allez, c'est parti. Direction l'avant-ville, du coup. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais d'abord aller tout en bas. Du coup, oui, je le tais. Je vais d'abord farmer un peu ici. Je vais mettre Pikachu en avant, du coup. Et on va pêcher pour Nekos. On va pêcher un peu. Normalement, ça devrait mordre par ici. Mais Darky, laisse-moi! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est agaçant! Tu vas être agaçant comme ça quand je vais jouer à Pokémon Violet ou pas? Il me dira, ah, gna gna, pourquoi t'as pas pris Pokémon Écarlate? Le violet, ça pue! De toute façon, Pokémon Violet... je vais découvrir avec vous. Mes réactions seront authentiques. J'ai très peur, mais bon, on verra. Je prendrai pas Topico, il est moche. Arrête. Quand j'espère, c'est qu'ils vont remettre... comment ça s'appelle? Poké Récré, où tu pouvais caresser des Pokémon et tout. Ça, c'est bien. Ça, j'adorais ça dans XY. J'aimais bien le concept. Ouais, ah non, ouais. Oh non, ça serait écœurant. Parce que épée bouclier, quand je jouais avec mes Pokémon, je sais pas vous, mais ça buguait pour ma part. Les sprites étaient buggés. Ça courait dans tous les sens ou ça courait dans un mur, c'était bizarre. Ah mince, je suis empoisonné. Ouais, ils étaient assez... Ouais, ils étaient bizarres dans les pieds boucliers.
Mais dans XY, franchement, c'est le meilleur. Le meilleur concept qu'ils ont fait, je trouve. T'avais même des mini-jeux, tu pouvais passer des heures là-dessus. Ouais, des profiteroles, du coup, des gâteaux français. Avec XY, c'est très bien, c'était. Bah, c'est le premier jeu auquel j'ai joué de Pokémon, c'était lui. Ah non, je dis des bêtises, c'était Vertfeuille le premier, lui c'est le deuxième. Ouais. J'avais même acheté la boîte à l'époque. Parce que ça date, Pokémon X est sorti en quelle année? Histoire que j'ai un coup de vieux là d'un coup. C'était quand? Ouais, c'est vrai, c'est ça qui était cool avec ce jeu-là. Il était bien. Ah, 2013 quand même. Non, t'es sûr que c'est 2013? Oh punaise, je pensais que c'était plus tard. Ça, j'ai joué ça à ma première année de fac en L1, je me rappelle. Cette année. En 2013, wow. Ah ouais, le coup de vieux aussi, ça. J'ai toujours pas acheté la PS5, ça m'attire toujours pas. J'abandonne peu à peu les consoles en vrai. Le PC, c'est plus pratique. Ouais, c'est ça. Ouais, ils avaient ajouté un type pour contrer le type dragon, vu qu'ils étaient assez cheatés à l'époque. C'était bien. Non, franchement, ils avaient fait plein de trucs. Ils avaient fait la méga évolution, le type fée, le Pokémon récré, là où tu pouvais jouer avec tes Pokémon. Non, franchement, il était bien ce Pokémon-là. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, si vous avez remarqué, ils ont fait que rajouter des spécialités à chaque jeu. Il y avait Gigamax, Soleil Lune, c'est quoi déjà la spécialité? Capacité Z, des trucs comme ça, le truc que je suis. Et là, il est immonde la capacité d'en violer là. C'est quoi déjà? Cristallisation? Un truc comme ça où tu deviens un diamant? Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. Ils ont tous une couronne de type. Et je sais que si tu l'achètes. Mais il avait dit dans les pubs, mais si t'achètes. Bah, si tu fais une précommande, t'as droit à un Pikachu de type vol. Un truc comme ça. Ouais, ça va trop loin, ces Pokémon. Pour toi, ils pourraient faire des bêtes idées. Par exemple, des fusions, par exemple. Pokémon fusion, pourquoi pas. Attendez, je crois que c'est. Je crois que c'est une blague là des développeurs. Attendez, est-ce que c'est ça? Si je gagne, je demande à Gia de m'épouser. Est-ce que c'est ça? Si je me rappelle bien, il a un onyx et l'autre elle a un crustacé. Oui. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est pas ça, non, je me suis trompée. Je sais pas si c'est dans ce jeu-là qu'ils ont fait cette blague. Bon après, il faut avoir l'esprit mal placé, mais. De quoi Lost of Us, qu'est-ce qui se passe? J'y ai pas joué, j'ai regardé des let's play. Ouais non, je fais pas gaffe. Non, j'y ai pas joué, mais je connais, j'ai vu.
J'ai vu des let's play vu que l'histoire elle était bien. Enfin, j'ai aimé le premier mais pas le deuxième. Le deuxième est très bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, Ginji, mais. Bof, bof, hein. Très, très bizarre. Non, c'est pas trop non plus, mais disons que c'est pas. Bah, ça prend une direction très. Très bizarre, très. Putain, j'ai peur de dire des mauvais termes, du coup, me faire passer pour. Pour un Kyo, j'ai pas envie. C'est ça, non, mais le souci, c'est que. Bah, déjà, le héros. Il meurt tabassé à mort. Et la méchante, c'est une meuf musclée, très vénère. Et à la fin, tu te tabasses avec elle et au final, tu l'épargnes. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très pessimiste aussi. Et ouais, je sais pas, ça a voulu choquer pour choquer, j'ai l'impression. Et ça a marché, hein. Il y en a, ils aiment bien, mais moi, c'est pas mon truc. Ça se donnait un côté très dark. Du coup, Darky l'aimerait bien, je pense. Je pense que Darky aimerait beaucoup. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Mais là, je vais essayer d'être dans le thème d'Halloween un peu. Et c'est pas trop long comme let's play, ça? Parce qu'il faut pas que je fasse comme Red Dead Redemption 2, hein, j'en pouvais plus. Hein. J'arrête les jeux comme ça. On a été vaccinés. Non, j'ai pas fait de VTubeuse Halloween, là. J'en ai pas fait pour l'instant. Ah, des super roucous, ça c'est cool. Ah, j'ai oublié d'aller pêcher. On va aller pêcher. On va y aller, attendez. Ça m'étonne, il a rien dit, Nekos. Alors du coup. Ah, c'est bien aussi les jeux narratifs, hein, mais il faut que je trouve le juste milieu, pas trop. Faut que ça soit pas un jeu trop trop lourd, quoi. Parce qu'il y a des jeux que j'aime beaucoup, mais qui sont assez lourds à le faire. GTA par exemple, GTA c'est trop long. J'aime bien GTA, mais. Ça serait trop long. On va éviter GTA. Ah bah non. Ah bah désolé, Nekos, ça mord pas. Ah non, désolé. Bah fais le mieux, je sais pas moi. Non, mais t'appuies juste sur Select et t'attends. Attends, il y a des pêcheurs. Ah! Oh, c'est nul! Désolée, c'est parce que. Nekas, il m'a trop donné. Il m'a trop donné envie de le tuer. Désolée. Mais c'est bon, oh là là, tiens, il est là, ton Magikarp. Je vais le capturer. Tu le dis encore, je l'ai.
Je vais lancer tonnerre, Nekos, fais gaffe. Ah oui, c'est là. Je pense qu'il n'y a que des Magikarp par ici. Je suis pas sûre, mais... Ah, parce qu'en plus, monsieur est difficile. Ah ouais, waouh. Mais laisse-moi tranquille, Darky. Et puis pourquoi t'es là, d'ailleurs? On est dimanche. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as école demain. Allez, Darky, va te coucher. Waouh, Magikarp. La puissance de cette créature a beaucoup régressé au fil des siècles. Ok. Ah, j'aurais dû l'appeler Nekos. Ah, ah bah non, sinon... Bah non, ça devient Léviator, donc non. Bah non. Bah non, ça devient Léviator, donc non. Bon, je vais capturer que des Magikarp, ça va pas le faire. Bon, allez, on va y aller, on va faire la tour Lavanville. Donc, du coup, qu'est-ce... je mets qui en avant? Ouais, Draco. Et Hypno, du coup. Hop. Ouais, direction Lavanville, on y va. Je sais pas si je peux acheter de l'huile. Ah oh bah non, il y a pas d'huile. Ah oh bah non. J'ai rien dit. Paix à l'âme des Pokémon, ouais, sans y était. On avait même monté le premier étage. Moi, du coup, oui, je vais aller chercher les huiles, tant pis. Moi, encore, ça va, la tour. Ce qui m'a bien saoulé, c'est la route avec les motards. Ça, c'est fatigant. Que là, encore, j'aime bien l'ambiance mystique, hantée. J'aime bien. Ça va. Va des rétro. Bah oui, c'est bien, ça fait même Halloween un peu. Là, on est, il y a plein de tombes de Pokémon. C'est cool. Je suis pas gothique, mais j'ai toujours apprécié ça dans les jeux pour enfants. C'est quand ils mettent des endroits un peu glauques comme ça. Ah mince, il est confus. J'ai acheté la flûte, si je me rappelle bien. Ouais. Je l'avais acheté. Alors. Oh, me rappelle pas ce souvenir d'Arky. Mauvais souvenir, ça. Non mais surtout que c'était de ta faute si on m'a insulté. Ah non, je sais plus si c'était de ta faute. Ah non, t'étais pas là, non, j'ai rien dit, j'allais encore t'accuser pour rien. Non, c'est pas ça. Ah ouais, non, c'était pas toi, c'était notre personne que... Ouais, c'était ça, mais j'ai tellement l'habitude que ça soit toi qui troll que je savais plus.
façon, Bellaf, il a tout compris, il est même pas venu à... sur ce Discord-là, il a pas voulu venir de toute façon. Il a tout compris, Bellaf. Non, 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 je pense pas. Non, Bellaf, viens pas, Bellaf. Il a déjà été vacciné avec l'ancienne commu, on va pas prendre celle-là non plus. Ah, tu peux lui donner le lien, mais ça m'étonnerait qu'il vienne. Non, il était dans l'ancienne. Que t'as pas connu, Darky, je crois. Le lien d'une communauté. Discord. Ah bah là, t'es un nouveau, donc non. Aïe aïe aïe. J'aime bien cette attaque. Elle est glauque. Oh, c'est parti. Ah, c'est vrai qu'ils sont sympas, ils te supportent. Faut être sympa pour te supporter. Bah, j'aime bien, ils s'enfoncent un clou et ça te maudit, du coup tu vas mourir. Enfin, sauf si tu rappelles le Pokémon, mais sinon ça meurt en 3 tours, je crois, 3-4 tours. C'est comme Requiem, j'aime bien aussi cette attaque. Arceus il chante et tu meurs en 2 tours, je crois. 2-3 tours. Ah, je savais pas que Celebi pouvait l'avoir, ça. Je pensais que c'était Karkius. Oula, Spectrum. Ah ouais, ok. Oh non. Mince, je l'ai tué avant. Ah mais c'est pas vrai, ils vont spammer cette attaque tout le temps. Bah après ils sont débiles, tant mieux, ça leur enlève la moitié des PV et hop, et je les termine. Voilà. C'est Glock comme toi, Darky. Abusez pas, il y a pire quand même. J'espère qu'il va pas se faire malédiction. Non, c'est bon. Quoique, est-ce qu'il est bête? Ah bah non, c'est moi qui ai fait. Tant pis. Faut quand même que je capture un Fantominus. Oh là là, Darky. Bah si c'est long, t'as qu'à discuter, je sais pas, discute avec Nekos ou Bellaf. Oh, il est débile. Bah il va se suicider. Ah ouais, il est pas... pas très malin là. Non, c'est bon.
quand même attraper un Fantominus parce qu'il faut bien. Avec un peu de chance, il va faire malédiction. Pour la peine, non, je vais pas prendre un Spectrum parce que t'arrêtes pas. Darky, tout ce que tu vas dire, je vais faire le contraire. Au moins, tu le sais, t'es au courant. Un ectoplasma, j'aurais bien voulu. Ce qui était drôle aussi, je vous avais pas dit, j'avais fait Pokémon Pearl il y a un moment. Hein. Et j'ai capturé Palkia, mais avec une Pokéball comme ça. J'ai lancé la Pokéball et il rentrait dedans. Non, non, pas le nouveau, l'ancien. Je l'avais refait il y a un moment, hein, mais c'était marrant, j'ai lancé la Pokéball et je l'ai eu comme ça. D'habitude, c'est galère à attraper les légendaires, mais là... Ah oui, tu parles des trois chiens. Avec Suicune, Entei et je sais plus l'autre. Parce que t'es un fantôme, on te remarque pas. T'es un ghost fag, comme on dit. Ah oui, ces Pokémon-là, eux aussi ils sont galères, mais il y a aussi les trois chiens là qui sont très très galères aussi à attraper. Il y en a une, elle m'a rendu dingue, c'est dans Pokémon Arceus. Comment elle s'appelle? C'est le nouveau qu'ils avaient inventé là, la déesse de l'amour. Elle m'a rendu folle. J'arrivais pas à l'attraper. Oh, super. Vous pénétrez dans une zone sanctuaire. Les Pokémon de Midori sont soignés. Ça, c'est cool. Merci. Approche, enfant. J'ai scellé cet endroit grâce à ma sainte magie blanche. Tu peux te reposer. Donne-moi ton âme. Okay. Aïe aïe aïe. Non, ça. Oh ça va, il va se suicider, c'est bon. Ils sont pas très malins les Pokémon là. Non, je vais l'appeler Darkrai, j'aime pas ton prénom. Darky et Kyo, j'aime pas. Je l'ai dit. Non mais parce que sans déconner, Darky, je connais, c'est une ancienne amie que j'avais sur internet et elle avait le même pseudo que toi, alors du coup j'y arrive pas. Elle se fait appeler Darky aussi. Du coup j'y arriverai pas, je pense. Désolée, hein. Non mais elle se fait appeler comme ça parce qu'elle aime bien Darkrai, elle aussi, elle est fan de Pokémon. Bah tu la connais, Nekos, comment elle s'appelait? Kira, ouais c'est ça. C'était Kira, bah c'est elle, Darky. Ouais voilà, c'est ça. Ouais voilà. De toute façon j'ai pas 10 000 amis. Hein. J'en ai deux. Draki. Bah elle dit Darky, Draki, ça dépendait en fait. Mais voilà, j'ai du mal. Sans déconner, elle l'était, elle te ressemblait un peu, Darky.
Oh, je suis triste, j'ai cru que c'était Jordan. Oh. Le faux espoir que j'ai eu d'un coup. Ouais, c'est Darky, c'est dommage. Oh, Darky, arrête, tu es très très sombre toi aussi. Si, si, si. Je sais pas s'il va venir, ça dépend. Hein. Dark, bon, il faut qu'il se calme lui parce que des fois il est surexcité. Il est intenable. On dirait Darky, mais en plus jeune. Darky, c'est la version adolescente de Dark. Il est un peu mature, mais pas trop. Ah, j'embête beaucoup Darky, il faut que j'arrête. Le pauvre, sinon il va être mal. On se demande quand tu les fais pas justement tes crises. Mais toi, tu te questionnes sur quoi, Darky? Oh, tes débats. Ça dépend, hein, tes débats quand même. Il y en a beaucoup, ils sont pas très pertinents, tu trouves pas? Oh, un osselet! Ah, elle est de type proche, je crois. Oh, même les débats dans la réalité, c'est pas... Oh, c'est capturé facilement. Alors du coup, on va lire sa description. Il ne retire jamais son casque en os. Personne n'a jamais vu le visage de ce Pokémon. Oh, ça va, il est... Ils ont un peu censuré, là, le Pokédex. Normalement, c'est plus... Non, mais t'abuses, Darky, aussi. Faut pas faire ça. Ah, Belaf, je crois pas qu'il connaît cette histoire. Faut lui raconter à Belaf. C'est incroyable, ça. Bah, en gros, Belaf, t'as Darky dans la vraie vie. Il a lu un manga pornographique, mais dans le train. Mais devant les gens. Il y a des gens qui l'ont vu, ils ont vu des scènes de sexe, et lui trouvait ça tout à fait normal de lire ça. Mais oui, il y avait des enfants dans le train. Belaf dit quelque chose. Mais oui, mais il y a des enfants, Belaf, quand même. Je sais bien qu'il fait ce qu'il veut, mais bon. C'est comme si toi, tu sortais le magazine Têtu et que tu lisais devant tout le monde. Mais ouais, il se vantait, c'est un fou. Il est complètement fou. Il est ravagé, Darky, quand même. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Il est incroyable. Non mais Darky, je l'aime bien parce que il lâche pas l'affaire, il va continuer de débattre même. C'est comme la dernière fois, tu te rappelles Nekos avec
C'était une expérience de pensée avec est-ce qu'il faut prendre les livres ou prendre de la nourriture quand tu t'en vas explorer le monde sans être sûr qu'il y ait une civilisation. Et Tarki, c'était le seul qui prenait les livres. Il me tuait, Darky, ce moment-là. Mais en même temps, Darky. Mais en fait, c'est parce qu'il veut toujours faire le contraire de tout le monde. Il me fait penser aux gothiques dans South Park qui sont anticonformistes. Darky, c'est pareil. Faudrait que tu regardes South Park, Darky t'aimerait bien. Ouais, je pense que t'aimerais bien en plus Darky, ça critique bien la société, ça lance des débats, beaucoup de références à notre vrai monde. C'est une parodie d'une autre quoi. Enfin, c'est plus tellement une parodie maintenant vu que ce qui parodie, ça se passe vraiment dans la vraie vie. Ouais, c'est ça qui est bizarre, surtout vers les derniers épisodes avec le délire des. Bah, le délire entre guillemets, mais. Avec les genres, le féminisme, la politique, c'était. Bah, ça faisait vraiment comme notre monde réel alors que ça devait parodier. C'était inquiétant un peu. Ah, mais ça parle de tous les sujets après, ça va taper sur tous les camps, hein, que ce soit la gauche, la droite. Tout le monde mange à South Park. Après ça va, les Simpsons c'est plus gentil. C'est quand même plus gentil les Simpsons. Oula. De quoi t'as fait quoi en Écosse quoi? T'as rien dit en Écosse? Je crois. T'as rien dit? Ah, j'ai dit quoi quoi? Ah oui, avec Butters, oui, je me rappelle ce moment. Grand moment ça. J'avais pris littéralement ta phrase, je comprenais pas. Ah, je pourrais peut-être jouer à South Park, il y a le jeu là, les Annales du Destin. Pour être marrant ça. En plus Ginji, ça je l'ai fait. J'ai mis l'emoji exprès pour Jordan. S'il vient pas, c'est culotté. C'est vraiment l'emoji pour lui celui-là. Jordan, mais non! Il est là! Ah super, il fait son entrée. Non, il a fait exprès, je suis sûre qu'il était là depuis le début et il attendait son moment. Ah, super. Bah oui, surtout que l'emoji, c'est pour lui que je l'ai mis, psychoquack. Bah du coup, comme Jordan est là, Darky, tu peux partir. Non mais Darky, non, je plaisante. Je plaisante Darky. Oh, il est beau. Avec ses petits saphirs. On va mettre Aquamimi en premier quand même, faut qu'elle augmente. Fuis misérable.
Ah bah, on rencontre le spectre, ça y est. Ça tue. Ah mince, c'est vrai que... Je suis bête. Non, non, arrête, non! Arrête! Non, Mimi! Ouf, j'ai du bol. Ah, je sais plus où ça tue, il est type quoi? Il est pas type roche lui, au sol? Je sais plus. Ah, oh, salut poussin! Attends, je réfléchis. Belaf, Belaf, c'est quel type au Satur déjà? S'il te plaît, je sais plus. Sol. Ah, oh, mais j'ai rien, j'ai rien. Bon, on va mettre Hypnomade, il va faire coup de boule. Bah ouais, Fleur, elle aurait été utile sur le coup. On va la purifier. Mimi est en mauvaise posture là, on va le laisser se reposer. Le spectre était l'esprit damné de la mère d'Osley. L'âme de la mère a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Ok. On va recharger Mimi. Ah bah la Team Rocket. Que veux-tu? Que cherches-tu? Oui mais Fleur là, il est sur son PC là. Ça sera plus tard. Pourtant, il est sur la couverture du jeu, mais bon. Bah, il est très fort, donc ça va. Je peux me permettre de le mettre de côté un peu pour monter mon autre équipe. Faut bien. Aïe aïe. Ah non, ça. J'aimais bien son sprite dans Or et Argent, lui. Il y avait sa langue qui dépassait avec de la bave. C'est dommage, ils ont corrigé un peu son apparence. Il était bien. Mais non, je t'oublierai pas. Nosferalto. Ce vieil homme est venu pour demander. Est venu nous demander de ne plus troubler les gentils Pokémon. Alors on a discuté tranquillement entre adultes. Le sprite d'Arcana aussi, il est bien dans Or et Argent. Ah mince! Non, je voulais faire ballon. Oh bah ça. Bah marrant, ils sont assez violents quand même. Hein. Je me rappelle dans l'animé, ils poussaient le vieux dans les escaliers, ils ont tabassé la mère d'Osley
à coups de fouet et de bâtons électriques. Très très violent quand même la Team Rocket. Hein. Bah ils sont déjà plus crédibles que d'autres teams quand même. Hein. Les Pokémon ne servent qu'à gagner de l'argent. Reste en dehors de nos affaires. Ok. Y a personne à sauver ici. Est-ce que nos Stanfer, c'est une évolution dans la troisième génération? Je ne sais plus. Veillez bien nos Stanfer. En plus, il est très très rapide. Ouais, c'est vrai, il faut le rendre heureux. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Comme Lucario. Bah, ça va, j'aime bien Nosferatu, il est mignon. Ça fait bien esprit d'Halloween au moins. Ah, Rattata. Ouais, allez, Priscilla, vas-y. Ah mince, je me suis trompée! Oh! Mon doigt a glissé. Casse-brique. C'est ça, Ginji. Oula, rat-attaque. Ah, ça va y rater. Ça va, il fait pas croc de mort. Cette attaque, elle est dévastatrice. Croc de mort, je redoute toujours. Ah, c'est bon. Alors, n'affronte pas la Team Rocket. Ouais, pour le coup, ouais, rat-attaque dans le jeu. Alors, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Monsieur Fuji. Eh, tu es là pour me sauver? Merci, mais je suis venue ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Osley. Je pense que l'esprit de sa tueur s'en est allé vers les cieux. Je dois te remercier pour ton attention. Viens avec moi dans ma maison, la maison Pokémon, au pied de cette tour. Oh, transition! Ah, d'accord. Ok. Attends, du coup. Monsieur Fuji. Alors, Midori. Ta quête pour compléter ton Pokédex échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. Je crois que ceci te sera utile. Ah bah voilà, la Pokéflûte. En jouant de la Pokéflûte, les Pokémon endormis se réveilleront. Elle marche sur tous les Pokémon. On va récupérer Fleur quand même, parce que la pauvre... Et là, on va les réveiller Ronflex. C'est ça, on va le réveiller. Et on va le capturer si on peut. Elle est où, Fleur? Elle est là. On va mettre Fleur en avant du coup. Je sauvegarde au cas où quand même. Ça va, on est à la moitié du jeu là, je crois. 4 badges. Tu
du coup on descend. Bah je fais pas tout ce soir non plus hein. Non non. C'est que ça doit faire mal Ginji. Du coup c'est bon. C'est bon aussi. Alors, tu veux utiliser la Pokéflûte? Oui, vous jouez de la Pokéflûte. Gonflex se réveille. Il est de mauvais poil, il vous attaque. Son sprite est immonde. Vaccin? Il a vaccin? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je l'ai capturé, mais... Oh mince, il a vaccin. On va le paralyser du coup. Jordan, non. Oh non, pitié, non. Ce sac à PV. Ah ouais, c'est un sac à PV là. Oulala. Je vais mettre Dracorage. Je vais utiliser Dracorage. Normalement, ça enlève 60 PV à chaque fois. Non, 40 PV, pardon. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis devenue somnolent. Est-ce que j'ai réveil? Ah, j'en ai 3, c'est bien. Bon, je refais une dernière fois de raccourage. Normalement, ça devrait le faire. C'est bon. Là, on va essayer de le capturer. Ça va pas être simple. Qu'est-ce que je dis? Ça aussi, les Pokéballs, il y en a plein maintenant. Il y en a de toutes sortes. Oh non! Pas ça! Mais c'est pas vrai, non! J'avais oublié! Mais de toute façon, ils vont s'endormir tout seul, Ginji, t'inquiète pas. Ah! Quoi? Ça lui fait rien. Oh, c'est pas vrai, je me suis endormie. Oh mais non, c'est pas possible.
Belaf, tu peux me dire l'heure, s'il te plaît? La vraie heure, hein. Comme ça, pour voir, parce que j'ai pas l'heure sur moi. Non, je te crois pas, Nekos. Belaf, dis-moi l'heure, s'il te plaît. Merci. Ouf! Vas-y, résiste. Désolé, Draco, hein, je te sacrifie. Oh non, mince, pas trop tard. RIP. Oh non, ça va, waouh! Oh, mais j'ai pas assez de Pokéball, il m'en reste 10 là. Oh, c'est pas vrai. On va utiliser. Non, non, parce que si je l'attaque, il va. Non, non, il va. Arras! Arras! Nayance! Ah, oh, mais il est. Attaque Arras! Je me disais pourquoi il parle d'une ville du Nord, lui. Attends, du coup, je vais réveiller Pikachu. Et... Ouais, je vais spammer Vive Attaque, ouais, je vais faire ça. Non! Je vais faire des vos rêves, du coup, hein. Il va devenir obèse, hypnomade. Enfin, je vais voir si coup de boue ça lui fait du dégât ou pas. Ça va. Est-ce que je peux faire coup de boule à votre avis? Ou ça va le tuer? Je sais pas. Je prends le risque ou pas? J'ai peur que ça le tue, le coup de boule. Non, il meurt pas, je pense pas. Belaf, Belaf. C'est toi l'expert. Belaf. Non, je pense que ça devrait le faire. Si Nekos me dit non, je le fais. Non, mais... Non. Oh non. Oh non. Non, bah c'est pas grave, il y a un autre... Oh mais non. Oh le... Il y a un autre Ronflex. Il y a un autre Ronflex. Je réveillerai l'autre, c'est pas grave. J'avoue, là, j'ai... Ouais, bon, bah tant pis. Oh, je suis... Oh, merde. Bah non, mais je vous écoute pas d'habitude, je m'en fous. Ah, bah, je vais avoir la méga 4. Je suis le frère du maître pêcheur. Moi, dans la vie, je suis pêcheur, j'adore ça. T'aimes la pêche? Oui. Cool, t'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça. Voilà. Ça, Nekos, il est content, il va pas me bouder. Ah, si tu attrapes un gros Magikarp, j'aimerais beaucoup que tu me le montres. J'adore voir les gros Magikarp, presque autant que la pêche. Ouais, bah allez, on va pêcher. Histoire d'oublier Ronflex. Du coup... Je suis sûre que... Nekos, il a clippé. Ah bah c'est ce que je dis, voilà, il a clippé. Super. L'électricité, c'est ma spécialité. Ok. Oula, c'est quoi ce dresseur? Là,
Je vais voir à quoi ça ressemble l'attaque. Bon, enfin. Allez, Hypno, vas-y, coup de boule. Parce que là, j'ai plus les affinités des types. Là, j'ai. Quoi? Non, non, pas ça! Ah, ça va. Pourquoi t'as peur, Darky? Dis-le que je suis nul aussi. Bah Neko, si tu veux regarder des bons joueurs de Pokémon, je sais pas, tu vas regarder David Lafarge ou Jirachi, je sais pas. Ça doit être un bon joueur, David Lafarge. Bah comme ça, moi, vous faites... vous pouvez vous moquer, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pêché? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, comme ça. Normal. Par contre, je vais aller racheter des Pokéballs après. De quoi la streameuse sur Gulli? C'est quoi le lien que t'as envoyé encore? Non, j'ai peur qu'il suicide Léviator parce qu'il est con. Ah, ça va, il s'est laissé capturer. Waouh, gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. Je vais retourner à l'avant-ville quand même. Je vais aller acheter des Pokéballs. Comme ça, au cas où j'affronte Ronflex, on sera paré. C'est long chemin. Ouais, Darky aussi, il en avait parlé. C'était le shiny qu'il avait. Ah oui, même qu'on critiquait Nekos par rapport à la chasse au shiny, je me rappelle. Non mais critiquer, c'est un grand mot. Mon Digésus, on n'avait pas la patience pour faire la chasse au shiny, non. Ah oui, c'est vrai. Je vais vendre les pépites aussi, tiens. Je sais pas si Bellaf le fait. Mais là, tu faisais la chasse au shiny, toi? Je ne sais plus. Je crois pas. Je crois pas qu'il faisait. Mais est-ce que t'as fait la chasse au shiny, je veux dire? T'en as fait, non?
J'en ai eu qu'une fois, un shiny, mais par pur hasard, c'était un Luxi, un Lixi. C'était au début de Pokémon Noir, je crois. Et je savais pas ce que c'était un shiny au début, du coup, je pensais que c'était un bug du jeu. Je me suis dit, bah mince, il est jaune. Et du coup, je l'avais pas capturé. Je l'ai laissé partir. Heureusement que je faisais pas des let's play à l'époque. Hein. Je crois que vous auriez hurlé. Surtout que j'avais vraiment dit, oh, c'est un bug, bon, bah, je m'en vais. Ah, c'était drôle à voir. Bah Bella, bah non, ça fait pas des shiny les métamorphes. Bon, on va aller tout en bas d'abord. On va pêcher. Bah après ouais si t'étais petit on te pardonne quand même. Moi j'ai pas d'excuses hein, j'avais quoi? J'avais. J'étais à la fac et je savais pas pour les shiny, je découvrais après, je connaissais pas. Ah oui, il est très bien, Hypno. La première génération, il est parfait. Sauf contre le type spectre, là, il est... Il galère un peu, quand même. Psycho, parfait. Champ mental du coup. Ouais, c'est 90. Super. Et c'est quoi? Peut baisser. Ok. Non, les insectes, ça va. C'était surtout contre... L'ectoplasma dans l'arène des 4 que je galérais. Si justement ça craint le spectre, le psy. Si je me rappelle bien, c'est ça, hein. Si, si, le spectre contre le psy, c'est. L'un peut. Tuer l'autre en gros. Attends, il est sérieux, il y a un Magikarp. Ça, c'est le pêcheur Nekos. Il aurait que des Magikarp dans son équipe qui font trempette. Pêcheur Ali. Oui, mais là, comme c'est un remake, je crois qu'ils ont. Ils ont modifié, non? Si je dis pas de bêtises, hein. Peut-être que t'as raison, Jordan, mais non, je suis pas sûre. Parce que là, Verfeuille, c'est un. Si, si, je crois que. Si maintenant je. Hypno est galère contre le type spectre.
Attendez, je dis peut-être une bêtise, hein, je sais plus, hein, je suis pas sûre de moi là. J'ai pas fait mes recherches. Hein. Ah bah du coup si c'est ça, ouais bah du coup c'est ça Jordan. Vu que Verfeuil c'est un remake, ils ont mis le les nouveautés dedans, ouais. Non ça doit être ça. Oulala. Ça serait bien d'ailleurs dans Pokémon Violet qu'il fasse un Evoli de type Spectre ou Acier. Il serait temps qu'il rajoute un Evoli là. Ça fait longtemps. J'aimerais bien. Ah oui, dragon, c'est vrai qu'il y a le type dragon, oui. Mais spectre aussi, ça peut être pas mal. Et poison, on a oublié poison aussi. Et type vol, c'est vrai, un évolue avec des ailes. Ça serait cool. Oh, insecte, il doit être dégueulasse. Oh, il est dégueu. Oh, il est immonde ce Pokémon. Je vais en capturer un peu, comme ça on aura le multi-exp. Ça va, il galère pas. Mais tiens, Bolori. Non, mais il serait moche, Belaf, non? Un type insecte comme ça, je sais pas. Hein. Après, je dis ça, peut-être qu'il serait mignon si c'est un papillon ou quelque chose comme ça, mais. Puis de toute façon, les Evoli, ils sont forcément mignons. Je pense pas que Game Freak va prendre le risque de les rendre immondes. On va le capturer. Ah, c'est plus si fort le type insecte? Bah, contre le psy, c'est bien aussi, non? Il y avait Scolopendre, là, Scolopendre, je crois, je sais plus. Dans Épée Bouclier, il est classe ce Pokémon-là, feu insecte, là. On dirait un mille pattes. Alors, il crache. Oh, il crache de la poudre toxique pour immobiliser sa proie et il l'achève avec de l'acide. Sa description, elle est immonde. Mais il y avait déjà un Écosse, mais. J'avais hésité. Puis c'est bon, Dark il a pas vu, il est pas là, il est parti. J'ai trouvé du carbone dans une grotte en faisant de la spéléo. Okay. Attendez, est-ce que mon Pikachu est... Oh, j'ai plus Pikachu. Bon, on va mettre Flore en avant, du coup.
Belaf, tu peux me dire l'heure, s'il te plaît? J'ai un doute. Ils doivent être 23h là, non? Tu t'écoutes pas d'Écosse. S'il te plaît, Belaf, dis-moi l'heure tout court, s'il te plaît. Je vais pas devoir me lever pour regarder l'heure quand même. Je... Oh punaise. Non mais je comprends rien, Bella, je suis pas mon professeur Layton là. Arrêtez là. J'en peux plus. Oh bah non, je suis bête. Ginji, tu... Bah non, attendez, je vais regarder l'heure parce que je vais pas demander à Ginji quand même, attendez. Et quelle heure? Je regarde. Ok, c'est bon. Darky, mais... c'est bon, j'ai vu l'heure, 22h42, je suis pas débile non plus. Mais si on a aucun qui dit la vérité, vous êtes... Mais ce chat... Si, si, il est 22h42. Parce que j'ai fait, Jordan, c'est que j'ai mis en plein écran. Oh, c'est vrai que... Oh, bah ouais, je suis bête, ouais, j'ai qu'à enlever le plein écran, mais c'est parce que j'ai peur de faire bugger le truc. Je vais faire gaffe pour vous. Non, parce que d'habitude, j'ai mon portable à côté de moi, mais il est éteint, là. Non, mais c'est bon, j'ai compris, je demanderai plus au chat. C'était pratique dans Pokémon. Je vois que c'est Pokémon Père qu'ils avaient la montre. Ça t'indiquait l'heure. Ça, c'était pratique. Oh, mais Darky, t'es chiant. J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est bon. Non, faites pas ça. Non, 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 pas ça. Attends, je sais pas, il y a l'heure sur le menu. Attends, je vais regarder. Non. Oh, c'est marrant, il n'y a pas de Draco. Bon, on a compris. Ok, donc voilà. Attendez, on est où là? Route 13, pont du silence. Ok. Bah, j'arrête à minuit comme d'habitude parce que Nekos il a... Quoique je vais peut-être arrêter un peu avant, 23h30. Parce que Nekos il a vraiment une grosse journée demain. Non, non, 23h30, j'arrête.
Non, c'est pas qu'il est infantilisé, mais au début, je laissais faire, tu vois. Mais après, quand il a commencé à me dire qu'il ratait le bus, qu'il ratait son réveil, non, c'est bon, à un moment, il abuse complètement. Bah pourquoi t'as raté ton réveil alors? Pourquoi tu t'es pas réveillé? Parce que t'as pas assez dormi. C'est pour ça que c'est important de dormir. Du coup, je vais pas te faire veiller trop tard. Non, non, il a pas mal. Non, non, il a juste pas entendu son réveil. De quoi c'est la streameuse? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah oui, je refuse de. Non, mais je vais pas streamer jusqu'à 1h du matin. N'abuse pas. Mais t'as plein. Mais si t'arrives pas à dormir, tu regardes d'autres streamers après. Il y en a plein. Tu regardes Amourante. Dans sa piscine à boules. Si tu veux, je te passe des liens de VTubeuses, hein. Il y en a plein. Je t'en ai filé en plus. Oula, Jordan, je sais pas si je vais aller jusque-là quand même. Je pense pas. Hein. Parce que là, je vais combattre plein de dresseurs. Allez, on y va. Alors, et si on se battait? Ah, je pensais que c'était un combat double. Eh ben non. Oula, elle a une bonne défense, Melo. Ah oui, elle a fait boule armure, je suis bête. Ma flûte. Quelle est? Cette capacité, elle m'énerve. Ça m'a mis des attaques au hasard. Oh, je vais même pas avoir d'XP. Quoique. Ah si, ça va, Laurie, elle en a. Propre punaise. Voilà, ça se corse quand même. Tu veux te mesurer, ouais. Voilà. Priscilla, elle aurait été utile là. Du coup.
Pikachu contre Pikachu, on va voir. Oh là là, Darky. Lance un débat si tu veux. Ça fera passer le temps. Après, j'aurais pu enlever les animations de combat, mais bon. J'ai envie de garder tel quel. Non, non, Nekos, il va garder l'épée, c'est très bien. D'ailleurs, c'est de ta faute s'il a l'épée, hein. Tu sais, quand t'as fait ta blague, là. Oh là là, mais Darky, si t'es pas content, la porte, elle est... elle est grande ouverte. Non, Darky, t'avais abusé ce jour-là, franchement. Ouais, puis Neko, ça lui va bien, ça lui donne un rôle important, tu vois. Comme ça, il est content. Je sais pas du tout. Belaf, je crois que tu sais... Je crois qu'il peut modifier ma page Twitch ou je sais plus quoi. Je lui ai donné pour qu'il puisse télécharger les vidéos, mes streams. C'est pas ça, non? Ou je dis de la... je dis des bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, il télécharge les vidéos, comme ça au moins elles sont pas perdues. Je laisse une trace, quoi. C'est dommage, c'est que mes premiers streams, on peut pas voir ce que vous écriviez. J'avais pas gardé ça. Du coup, je peux plus voir les conneries qu'a écrit Bella Funekos. Parce qu'au début, on était que trois. Hein. C'est un noix. Ah mince. Je pensais que c'était type électrique là. Ok. Ah ouais, Mimi, il a toujours été là, c'est dingue. Il était même plus méchant au début, je trouve. Il me bouffait vraiment les mains. Il s'en foutait. D'ailleurs, j'ai très peur parce que je vais pas tarder à... rendre visite à quelqu'un. Je vais devoir l'emmener avec moi dans le train. J'ai peur qu'il crie.
Parce que mon chat, c'est un... Comment dire? C'est une drama queen, mon chat. Il crie pour rien, tout le temps. Du coup, j'ai peur qu'il me fasse... il me tape la honte dans le train. Non, mais j'ai peur, franchement, j'ai peur qu'on me fasse une réflexion et qu'on me dise, ouais, vous battez votre chat ou quoi, parce que franchement, il donne cette impression des fois, hein. Il hurle. Quand il est pas content, il miaule pas, il hurle. Je l'ai trop écouté. En plus, Nekos, il me l'avait dit, hein, faut pas que je l'écoute trop, mais bon, il était mignon quand il était petit. Il était trop mignon. Ah oui, là, il est plus trop mignon, hein, là. Ouais, c'est comme un enfant, il est, il fait vraiment le chat gâté maintenant. Astuce, quoi. Ah, ok. Donc voilà, j'ai peur qu'il crie dans le train. C'est ma phobie, franchement, j'ai très peur de sa réaction. C'est quand on fait un truc qui lui plaît pas, il fait ça. C'est lui qui décide, en fait. Ah, ou alors j'achète de l'herbe à chat pour l'apaiser. Pendant le voyage, je lui mets un petit peu d'herbe à chat. Ouais, c'est ça. Jordan, j'ai pensé à la même chose. Je vais faire ça. Je vais lui donner de l'herbe à chat. Comme ça, il sera content. Il se frottera dans la cage. Surtout que sa cage, punaise, j'ai acheté une grosse cage. Hein. Parce qu'il est petit, il est pas non plus énorme comme chat. Mais j'ai vraiment acheté une grosse cage pour qu'il soit à l'aise. Avec une petite couverture, tout ce qu'il faut. Bah, il continue de gueuler quand même. C'est dingue. Mais ouais, je vais faire ça. Comme ça, il sera content. Bah non, mais comme ça, il sera apaisé. J'imagine qu'il va être stressé. Mais non, elle va pas gérer. Waouh, non! J'ai trouvé Nekos! Super, il est là! Allez, on va capturer Nekos. Waouh! En plus, il a échauffement. Ah, classe! Je vais l'empoisonner, peut-être. Ah, mais non, c'est vrai. Waouh. Ah ouais. Il est trop fort. Non, j'ai peur de le one-shot aussi. Ah, je vais faire coupe, c'est bien. Bon, bah là, il m'a tué. Vas-y, Mimi. On l'a capturé, on a Nekos. Du coup, je vais le mettre en pension et je vais le faire reproduire avec de... plein de Pokémon. Ah, le destin immonde de Métamorphe, le pauvre. Allez, c'est parti. Pourquoi je peux pas le mettre en pension?
Oh, dommage. Bon, moi j'ai un métamorphe, c'est déjà bien. Très mince. Ouais, puis je vais pas aller aussi loin, hein. Je vais m'arrêter à l'arène des 4. En tout cas, il m'a démonté mon starter. Ah mais toujours les métamorphes, ils servaient surtout à ça quoi. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut continuer du coup. On va monter. Ah bah oui, et j'ai pu... Si, je crois que j'ai Pikachu, il va bien. Bon, on va le cramer déjà. C'est quand même assez dégueulasse les pensions Pokémon quand même. Le concept il est... Parce que tu peux reproduire des Pokémon très différents, de différentes tailles aussi. Ouais, surtout la taille. Ouais. Tu sais, tu mets un gros tas de morve avec la sous-évolution de Gardevoir. C'est horrible. Ah, y en a, ils ont dessiné la scène hein, d'ailleurs. Hein, c'est... Non, mais j'ai dit ça au hasard. Je sais pas si ça le fait en fait. Je sais pas si gros tas de morve peut se reproduire avec Tarsal. Je suis pas sûre. Hein. J'espère pas pour elle. Ah ouais, j'ose pas imaginer ce qu'il a vu Dark, mais je pense qu'il troll, hein. Il doit troller. J'espère en tout cas. Ah, tes questions, Nekos, non. C'est comme sac de nœuds, ça doit être bizarre aussi, lui. Tentacruel ? Ah ouais, Tentacruel, ça va être... Ouais. On devrait changer de sujet quand même. C'est qui a lancé ce sujet ? C'est Darky, ça. C'est Darky. Non, non, c'est Darky, c'est pas moi. Non, 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 c'est Darky. Pardon, pardon, je m'en change de sujet. C'était pas voulu. Non, on n'imagine plus, c'est bon, on arrête. C'est un sujet difficile. Ah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pokémon, de Sonic, mais la fanbase Pokémon, elle a un truc sombre avec Aqualie, par exemple, c'est devenu un mème, mais... Ouais, c'est particulier aussi. Hein. Ah, c'est vrai, Darky, c'est gentil de me le dire. J'espère que c'est la bonne heure. Surtout que j'avais envie de savoir. Merci. Non. Ah, c'est bon.
Oh bah Jordan, tu rates rien, franchement, va même pas chercher. Je vais juste regarder mon téléphone, ça va plus ça va plus vite. Attends, est-ce que Pikachu a encore assez de... Ah bah non, de toute façon, il n'y a plus. Je me disais bien, il est plus rapide. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais je voulais faire monter Draco. Voilà, comme ça, il est niveau 31. C'est parfait. Parce que bon, Draco, il est... Oh, Nekos, tu m'énerves! Je sais pas, il est quelle heure? 23h12. T'as un gros menteur. Tu veux que j'éteigne... Je vais éteindre avant, si tu veux, hein. Comme ça, tu vas te coucher tôt. Oh là là, mais ça n'en finit pas. Ouais, je vais envoyer Aquamini du coup. Ah ouais, elle est que niveau 29. Ouais, faut qu'il monte lui. Ah bah non, ça va, il va monter. C'est honteux l'emoji que j'ai fait quand même. J'aurais pas cru que je ferais un emoji de mon chat. Ça va trop loin. Ah, morsure, très bien, très très bien même. Oui, ça lui va très bien ça, Mimi. On va monter. Je vais mettre Mimi en avant. Non mais là ça va, il est... je sais pas où il est, je crois qu'il est parti dormir, tant mieux. Tant mieux qu'il dorme. Il nous manque pas. Surtout, j'espère que mardi il va pas m'attaquer parce qu'en plus je serai en stress avec le jeu d'horreur là. Je vais jouer à FNAF. Le truc horrible, punaise. Ah ouais, le truc à Screamer, ça va être horrible.
J'ai peur de ma réaction. Non mais Bella, ben non mais je vous ai pas dit. J'ai commandé sur AliExpress des petites ailes de chauve-souris mais pour chat. Je vais le déguiser pour Halloween. Je vais lui mettre des petites ailes de chauve-souris. Non mais c'est vrai. Il va être trop mignon. Si tu peux. Non mais vous pouvez me juger, hein, mais je sais pas, j'avais envie de le faire. Oh puis je lui achèterai de la pâté hein, pour l'occasion, pour Halloween. Des petites pâtés bio. Ah, ça y est. Oh, puis les chats, c'est une valeur sûre, hein. C'est toujours aimé. Tu peux faire n'importe quoi, c'est toujours mignon un chat. Puis comme mon chat, naturellement, il fait la tête. Il y a une tête à jamais content. Ouais, ouais, bientôt on y approche la Darky, je le sais. Ça va être terrible ça. Ah mince, non, non, non. Ah oh, mais c'est Darky, m'a déconcentré. Ah, oh, c'est bon. Ouais, c'est vrai, ils sont très doux là, c'est... Mais on va y aller tout doucement. Après, je sais pas si je vais faire la route ce soir parce que... On va faire une overdose sinon là. Nekos, arrête, tu vas être banni. Ça y est. Non mais ça va Darky, il a fait ça pour rigoler, il va plus le faire. De toute façon, je suis Eddie. Ouais mais en même temps Darky, là c'était abusé ce que t'as fait. D'être gentil avec Darky, de pas trop le... Comme c'est un ado, faut pas... Faut le laisser faire sa crise. C'est ça Darky un peu. Ah, connais-tu la légende des mirages ailés? Non. Bah de toute façon je vais mettre Hypno en avant donc ça devrait le faire. Sa forme épais bouclier, elle était marrante, elle. Sa forme galard à canard-tichot. Attendez, est-ce que c'était galard? Ouais, ouais, c'est galard, ouais. Même qu'il est tout blanc avec une lance. Je suis pas d'humeur. Ouais, je suis désolée, hein. Les anciens Pokémon, c'est... Ils abusent un peu sur ça. Bon, moi, vous voyez comment c'était avant. Pour ça, je passe pas la vitesse ni rien. Là, on se met dans la peau d'un petit des années 90, là. Ah, mais j'ai plus tonnerre, mince. Non, j'ai pas d'avant. Non, mais je veux dire...
Je vais envoyer Draco. Bah Darky, t'allais trop vite, ça m'étonne pas de toi. Voilà, bravo. Non, sur ce coup-là, je suis comme Ginji dans les jeux, je vais parler à tout le monde, je vais fouiller partout. Si le jeu m'intéresse, hein, s'il m'intéresse pas, je vais très vite, je passe. Oh là là, Darky, t'es une honte. T'as joué à Zelda d'ailleurs, Darky? Je sais pas. J'ai pas demandé ça. Ah, t'as joué à... Phantom Hourglass et tout comme ça? Il y en a un qui est bien que je vais peut-être faire, c'est... je sais plus le nom, mais t'as envoyé dans l'Orule. C'est Hyrule, mais version sombre, justement, version dark. Darky, il aimerait bien, je pense. Ah, Abrimas. Ah bah du coup, Ginji, t'as joué à Zelda aussi? T'as joué auquel, comme Minish Cap ou pas? Ah, ou peut-être pas, peut-être tu réponds à Darky. Je sais que Nekos, il a joué à Breath of the Wild. Et Skyward Sword, ça je me rappelle. T'as joué à Ocarina of Time? Ah non, ah oui, le tout premier, t'as joué. C'est pas mal ça. Bah que, c'est déjà bien. Ah, il y a même un remake sur Switch. Il est bien aussi. Les OST, elles sont très très belles. Même l'histoire, elle est assez triste d'ailleurs. On va pas tarder à voir Zelda, les larmes de... Oh là, j'ai pas envie d'y aller. Oh là 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 là. Bon, je vais mettre Hypnomade en avant du coup. Ah là, on va en manger. Des combats. Bah d'ailleurs, j'hésite pas... en profiter pour en parler, mais j'hésitais à faire les Zelda, je devrais peut-être les faire. Surtout que Nekos, il a pas joué à Ocarina of Time ni Majora's Mask. Ah, t'as fait Majora's Mask, mais tu t'en rappelles ou pas? Parce que ça doit faire longtemps. Oh bah on le fera. En plus ça fait bien ambiance Halloween, Majora's Mask, ça peut être pas mal. Oh là là, elle est... horrible. Oh Ginji, c'est dommage, t'as raté le let's play Toilette Princesse du coup. Si j'en avais fait un. En plus, c'est ton préféré. Bon, après, ça m'empêcherait pas de faire celui sur Switch. Ils vont le sortir apparemment. Ce serait le moment de le faire. Non mais de toute façon je vais peut-être le faire sur Switch Ginji, pourquoi pas. Je l'ai pas testé encore, de toute façon il est pas sorti. Parce que j'ai pas trop aimé sa version HD sur Wii U.
Il y a des personnages, ils sont immondes dedans. Non, tu le fais dans ton coin après, hein. Je veux pas te faire attendre. Mais bon, c'est un de mes jeux préférés aussi, Toilette Princesse, il est bien. Très très bien même. Bon bah j'ai plus psycho là, ça va être problématique. Je vais devoir faire demi-tour encore. Parce que j'ai besoin de hypnomade. Parce que c'est quoi qui est efficace contre le poison? Il y a psycho, mais après je sais pas. Et type psy. Belaf, tu peux me dire s'il te plaît? C'est quoi qui est efficace contre le poison? Je suis sûre t'as le tableau des types sur toi là. T'as quel âge Bella, franchement? Ah oui, sol, mais j'ai pas d'attaque. Ah, je devrais acheter la CT tunnel. Je crois qu'elle est. On peut l'acheter à Céladopol. Je vais aller voir après. De toute façon, là, je vais retourner à l'avant-ville. On va faire une petite pause là sur les combats parce que bon c'est... Là ça commence à me gaver. Bah après c'est parce que je fais ça en une traite mais... Si tu y joues de temps en temps ça va mais... Quand tu veux finir le jeu en une nuit, par exemple, ça doit être horrible. C'est ce que t'as fait, Kyo. T'as fait le jeu en une nuit, t'es malade. Tu devais avoir les yeux tout rouges. Il se torture, Darky. Oh non, mais ça, non, c'est pas vrai. Oh là là là. Non, mais il faut arrêter hein, de faire ça. Hein. On est où, là? Ouais, comme Kyo, comme Nekos. C'est très grave, hein. Bah oui, c'est pas sérieux. T'as raison de le dire, Gindy. C'est très grave. Bah sans toi, on te... Oui, on te juge. Faut arrêter, hein. J'aime bien Nekos, il s'en fout complètement. Mais j'ai l'impression d'avoir une mauvaise influence sur le chat, c'est horrible. Là, comment il parle, Kyo, je me sens pas très bien. Mais si ça sert à quelque chose, on est où là?
Ça vous fait de la culture, ça vous prépare à la vie du travail. Non, ouais, t'as raison, Jordan, c'est plutôt ça. C'est vrai que Nekos et Darky, c'est la même chose. C'est marrant, on dirait des jumeaux. C'est trop ça. Oh, tu peux faire le choqué, Nekos, c'est vrai. Ah, si, si, vous êtes pareil. Si, si. Mais non, il prend pas de balles. Mais c'est vrai, il ressemble à Darky un peu, quand même. Un petit peu. Juste un petit peu, allez. Oh, c'est bon, c'est pas une critique de dire que tu ressembles à Darky. Le pauvre, on dirait que... Je vais quand même sauvegarder. Je vais regarder l'heure. J'ai un doute. Non, ça va. 23h30. Il nous reste une demi-heure. Ça va. Ça va. Ah, je viens de regarder, là. J'ai regardé. Elle est bien, cette musique, hein. L'avant-ville. Non, mais ce que vous savez pas, c'est que... Nekos, demain, il se lève à 5h du matin, donc bon, on va pas streamer jusqu'à 1h. Faut pas abuser. En plus, il a une grosse journée. Et il se lève à 5h du matin, donc bon, on va pas... Là, je devrais éteindre en plus, hein. Alors, Osef... Mais non, mais parce que Jordan, si... Franchement, si je m'écoutais, j'aurais arrêté le stream à 22h. Mais il aurait pété un plomb. Je crois qu'il aurait fait une crise, là. Il aurait fait du caca boudin. On va éviter. C'est vrai, c'est ce que tu fais. C'est bon ça, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Ouais, c'est bon. Non, Belaf, non, je fais pas ça. S'il y a quelqu'un qui manque, quand même, faut attendre. Enfin, Nico, je sais qu'il vient souvent. Donc quand même, je vais pas... Attendez, je vais mettre Hypno en avant, ouais, c'est bon. Mais non, il va pas... Non, non, il fait pas nuit blanche, hein, il est fou. Non, non, non. Non, mais c'est le monde à l'envers, faut arrêter, là. Non mais Jordan, leur dis pas ça, tu vas les exciter, ils vont plus dormir. Ils vont se dire que dormir c'est pas viril, alors ils vont pas le faire. Mais oui, bien sûr. Non, non, ça, je fais plus, ça.
Je vais peut-être au panda rythme honteux comme ça pendant les vacances. Les grandes vacances peut-être, mais là non, il y a cours. Non, non, non. Non, parce que sinon, en Écosse, il dormira jamais, c'est bon. Ou alors il dort, mais s'il me voit streamer, il va faire du caca boudin sinon. L'Écosse, il est pas solide du tout, non, non. Toi non plus, Darky, hein. On se rappelle quand tu t'es endormi sur ton micro. Sur ton clavier plutôt. Il faisait le viril en disant non, non, je suis pas fatigué. Il s'est endormi pendant qu'on lui parlait. La honte. Non, mais ça date après Bella. Enfin, c'est. Bah, c'était le bon temps, c'est qu'on avait regardé School Days. Ça, c'était bien ça. On s'était maté School Days tous ensemble. Ah, ça aurait été bien si Jordan était là, il aurait regardé School Days avec nous. S'il connaît pas, il aurait découvert un grand. Un grand classique. Ouais, avec Ares, ouais, c'était marrant. Ah oui, très romantique, c'est très bof aussi. C'est très très beau. Darky, arrête! Bon, je pense pas que t'aurais aimé Ginji. Je pense pas, c'est assez spécial. Puis bon, on l'a regardé pour délirer, mais je sais pas si t'aurais aimé délirer sur ça. Je pense pas. Ah, j'ai pas regardé, c'est quel Pokémon? Ah, gros doudou. Ok. Mais il est immonde son sprite. C'est quoi ses yeux, cette bouche? Ah, je sais pas si t'aimerais. School Days. Voilà. Je dois avoir plein d'argent. Oh là là. Non, bah après Ginji, si tu préfères une autre couleur, tu peux changer aussi, hein. C'est comme tu veux. J'ai bugué, ouais, ces plantes. Moi aussi, les oranges, Darky.
Il l'a toujours été, comme son ancien pseudo-honteux, là, Yujikaze, là, je sais plus quoi. Ah bah c'est marrant, je te vois en vert moi, Ginzy, je te vois pas en turquoise. Ah ouais, je le vois en vert. Bon, ça me dérange pas. Hein. Par contre, Nekos, j'aimerais bien le mettre en rose. Ça lui irait bien le rose, lui. Ah, pardon, non, c'est moi, c'est parce que. Ah. Il est dans une communauté RP, son personnage qu'il joue, il s'appelle Ginji, alors je l'appelais Ginji, mais c'est vrai que je devrais l'appeler. Oh non, Nekost, il l'a pas fait. Ouais, je devrais quand même l'appeler autrement, sinon ça porte la confusion à chaque fois. Je vais l'appeler. Parce que Kay, ça me rappelle. Comment je dis Kay sur JVC, donc je sais pas. Mono, je vais l'appeler Mono. Mais non, Jordan, tu l'as pas fait. Non, mais arrêtez. Non, non, non. Ouais, Mono, mais j'ai du mal à t'appeler Mono. Je t'ai toujours appelé Kinji après. Ouais, Mono, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, Ginji, j'aime bien. Bah, vous l'appelez comment, vous? Toi, Darky, tu l'appelles comment? Lève, peut-être? Ah, Lève, ouais. Non mais arrêtez, sinon je pense que Belaf il va se mettre en rose aussi dans pas longtemps. Il serait... Ah, ça te va bien Jordan, le jaune. Ah, garde cette couleur, ça te va super bien. C'est parfait. Puis ça perturbe quand vous utilisez l'emoji là. J'ai l'impression que c'est Jordan, mais non. Bah non mais c'est bien là comme ça. Non franchement Jordan le jaune ça lui va bien. Nekos le rose aussi ça lui va bien. Quoique Nekos je le vois en rouge. Parce que j'ai toujours l'habitude de le voir en rouge. Et Belaf en bleu. Ouais Belaf bleu ça lui va bien ou vert ouais. Bah après je vais pas décider de vos couleurs hein, quand même pas. Je vais pas abuser. Non mais Décos il le fait instantanément, c'est incroyable. Bah toi ça te va bien le bleu Belaf, ça me rappelle ton personnage, c'est. Bah Belaf il a des beaux yeux bleus. Non, non, c'est. Non, non Jordan, non, c'est. Oh non mais j'aurais dû me taire, on va croire que je suis un tyran là. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Non, non. Non mais Belaf, non, c'est moche là. Qu'est-ce que vous faites? Ça va être bien pour l'ambiance du jeu d'horreur mardi, vous allez tous avoir une couleur rouge. Je sais même pas s'il y a des emojis FNAF.
Je me demandais, mais je pense que si. Sur Twitch, je sais pas. Je pense que si. C'est une communauté assez importante, FNAF. Allez, on y va. Oh là là. Ben, j'avais regardé vite fait sur Discord. J'en avais vu. Mais bon. Ah, y a une fanbase très 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 nombreuse sur FNAF. Il y a tout un délire sur ça, j'ai jamais compris. Il y a même un côté très glauque de la fanbase. Un peu comme Undertale. Très spécial. Maintenant, on peut plus avoir une fanbase assez clean, on va dire. Maintenant, il y a toujours un côté bizarre. Mais je sais pas si c'était autant développé avant Internet, ce genre de truc. Parce que par exemple, un exemple tout bête, mais quand il y a eu Pokémon Violet et qu'il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, bah franchement, il y a déjà des fanarts bizarres d'eux quoi sur Roule 34. C'est... Mais à l'heure près, hein, 30 minutes après, il y a déjà plein de fanarts. C'est incroyable. Complètement barge les gens. Bah, moi, c'est pas forcément sur Roule 34, mais c'est. Moi, je vais sur Dan Boru, je crois, on dit comme ça. Et ça. T'as tous les fanarts que tu veux. Ou même sur Pixiv, hein, y a ça aussi, hein, des fanarts bizarres. Bah, non, je vais pas sur Roule 34, mais sur Dan Boru et Pixiv, si tu les vois, les fanarts. C'est difficile de passer à côté, quoi. Mais bon, ça va, je m'en plains pas, c'est pas grave, ça fait partie du jeu après. C'est bon là, j'ai fini la route des motards ou pas? J'en vois pas le bout là. Parce que là, ça a été éprouvant ce let's play. On a fait que ça. Mais non, mais Jordan, on a fait que ça là aujourd'hui. Ça a été vite l'avant-ville. Au moins, ça fait monter mes Pokémon, mais bon. C'est chaud. C'est bon. Ah! Attendez. Ah mince. Ah, peut-être que Nekos s'est endormi. Peut-être. Arrête, j'ai pas fini là? Ah oui, c'est vrai! Oh là là! Ah mince! Oh, ça va être long! Oh là là! Ouais, non, on va pas le faire aujourd'hui, hein, sinon on va faire une overdose. Je vais finir les dresseurs de cette route et on va arrêter là parce que sinon. Parce qu'il faut que Nekos aille faire dodo, c'est important.
D'ailleurs, aujourd'hui, Mimi m'a pas embêté. Ça, c'est cool. Ouais, mais Nekos, il a cours demain. Faut pas abuser. Oh, Raichu. Ah, j'ai raté. C'est très grave de dire ça, Nekos, quand même. Bah, j'en ai fait un. Ou t'étais pas là, Jordan, quand j'ai fait la reine plante? J'ai fait Erika tout à l'heure. Mais je sais pas si t'étais là, je me rappelle plus. Non, je pense pas que t'étais là. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai fait Erika à Céladopol. Bah après, Jordan, si tu veux qu'on t'attende, j'attendrai, hein. Mais c'est parce que franchement, j'ose pas te demander. Je sais pas si tu viens tout le temps ou pas, je sais pas. Parce que Nekos et les autres, ouais, je sais, je me doute. Mais c'est vrai que toi, je sais pas. Sinon, ouais, on t'attendra, c'est tout. Pas de soucis. Mais non, je mets pas la pression. Mais s'il veut qu'on l'attend, on l'attend, y a pas de soucis. Comme ça, on sera là. Non, non, parce que là, Jordan, il est venu. Voilà, il est. Là, ça va, il est venu assez tôt, donc voilà, mais non, c'est. Non, 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 et puis t'as cours demain. Non, non, non. Abuse pas, Nekov. Ah, j'ai plus d'antipara? Ah, si, j'en ai. Mais Nekos, faut arrêter, mais t'es comme les enfants qui veulent pas aller se coucher, c'est dingue. Ah oui, pardon, j'ai confondu. Bah vous, voilà, c'est parce que vous êtes pareils, je vous confonds tous les deux à chaque fois. Nekos et Darky, c'est la même chose. Vous parlez pareil. Voilà. Oh, c'est ça, c'est des jumeaux. Je les confonds tout le temps. Des fois, je fais pas forcément gaffe au pseudo qui écrit. Je déduis. Si, Jordan, dis-le. Dis-le, c'est qui? C'est qui? On veut savoir. Oui, c'est. Ouais, moi aussi, je dirais Darky. Ouais, c'est Dark. Pour moi, c'est Darky, oui. On est tous d'accord. Belaf, il va dire aussi que c'est Darky. Oh, c'est mignon comme attaque. Si, si, c'est Darky. C'est le plus gênant. D'ailleurs, sur Discord, il a un rôle exprès, hein. Rien qu'à lui. Ah, Belaf qui est pas d'accord. Mais il faut sortir les arguments, Belaf, pourquoi? Ouais, c'est vrai que ça dépend, ça dépend. Débat parallèle. Ouais, Belaf, il est doué pour ça, c'est pas l'artiste pour rien. Lui, ses blagues. C'est un bon blagueur, Belaf.
C'est le clown de service. C'est le one man show du théâtre, lui. Bah Nekos, tu dis plus rien? Nekos, il fait du caca boudin, je crois. Oh non! Oh non, Nekos, t'es pas aux toilettes là quand même! Oh non! Quel courant! J'ai eu peur. J'ai quoi comme CT alors? Provoque, danse plus. Ah bah si, j'ai tunnel! Qui pourrait l'utiliser? Priscilla ou Laurie? On va l'utiliser sur Laurie. Non, Belaf! Belaf! Tu vas être banni si tu continues, fais gaffe! Hein. Tu travailles sur un Pokédex. Ah! L'assistant du professeur Chen est passé par là. Ah bah! Tiens, tiens. Salut, tu te rappelles? Je suis un assistant du professeur Chen. Si tu attrapes 50 Pokémon, je suis censée te souffrir. Ah, c'est 50, c'est pas 30. Mince, mince du tout. Ah, d'accord, c'est 50. Il faut que je retienne, c'est ici. Attendez, j'active la carte. Oula, c'est à la route 15, d'accord. À Parmani. Ok. Ah, c'est bien, on est arrivé dans un... Attendez, je vais m'arrêter là. Je vais pas visiter, je vais rien faire. Je vais aller au centre Pokémon. Et je sauvegarde ici. Voilà, en plus on est juste à côté. Ça sera quelle arène demain? Koga, le ninja. Ah ben, super. Pokémon poison. Hypno, il va les écraser, c'est bon. Non, Nekos, t'as cours demain! C'est pas possible, on va lui répéter! Bah, fais nuit blanche, mais ça sera pas de ma faute! Du coup. Alors, on va sauvegarder, on arrête là. Hein. Allez! Bonne nuit, les enfants! Ah si si Nekos, faut peut-être te coucher, arrête. Voilà. Et ben voilà, c'est bon pour moi. Non, je vais pas streamer, on va se coucher. Il est minuit pile. C'est bien marqué sur mon programme Twitch, c'est marqué minuit, de 20h à minuit. Et ben voilà, c'est minuit. Allez, on dit tous bonne nuit à Nekos. Allez, au dodo. Allez, Nekos. Mais je peux pas faire de... Oh non, non, je ferai pas de sondage. Allez, bonne nuit.